Bonjour, je suis Arsène. Je vis dans mon camion depuis quelque temps. Et j'aimerais créer un. Enfin, créer. J'aimerais participer à un réseau d'échange qui engloberait tous les différents éco-villages qui sont déjà présents et établis pour leur permettre d'échanger entre eux, pour me permettre de sortir complètement du système actuel économique qui est en place et de pouvoir vivre uniquement en interagissant avec vous. Voilà, j'ai également pour projet toujours un but de se rapprocher de plus en plus de ce qu'on est, de l'harmonie avec la terre, la vie, la nature, l'amour, l'univers, de développer l'énergie libre. L'énergie libre, c'est l'énergie qui est présente absolument partout. C'est l'énergie qui fait tourner la galaxie, qui fait tourner le système solaire, qui alimente tout ce qui vit et qui est sur Terre et dans l'univers et absolument partout. Aujourd'hui, on sait comment l'utiliser. Comment l'utiliser pour nous, comment l'utiliser pour se déplacer, mais ça n'a jamais été développé à sa juste valeur. Voilà, avec vos éco-villages, je pense qu'on pourrait permettre de. Ça pourrait nous donner l'opportunité de la développer. En créant un réel réseau de fabrication qui soit complètement en dehors des systèmes actuels connus et qui en plus pourrait nous permettre d'échanger d'autres marchandises, on va dire. Je sais que la plupart des éco-villages, on va dire, ont déjà un petit peu les. Des moyens pour se procurer des revenus en fabriquant pas de la bière, des vêtements. Je sais que vous en avez besoin aussi un petit peu encore de cet argent pour pouvoir vous approvisionner sur certains produits que vous n'êtes pas encore en mesure de faire. Et avec un tel réseau, je pense qu'on pourrait complètement se soustraire au schéma économique et d'échange des marchandises actuelles. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça s'inscrit dans une prise de conscience d'ampleur générale de la planète, de l'humanité. On ne veut plus vivre dans la souffrance et la douleur, je pense qu'on veut tous partager ces mêmes valeurs qui sont l'amour, l'altruisme, le partage, dans la quête du bonheur, tout simplement, dans la quête d'être heureux et d'être soi-même, sans les différents filtres que la société peut nous inculquer. Du coup, à cette effigie, à ce niveau, je fais aussi un appel pour récolter des fonds, pour pouvoir acheter et équiper les différents matériaux nécessaires
pour créer une chaîne de production d'énergie pour pouvoir après la dispatcher au sein de vos éco-villages pour que vous puissiez être autonome en électricité propre. Donc voilà, je mettrai sous le lien de la vidéo une adresse mail pour vous donner l'opportunité de rentrer en contact avec moi. J'aimerais créer un petit répertoire des différents éco-villages qui existent déjà avec, on va dire, vos spécificités, ce que vous pouvez apporter à d'autres éco-villages et en même temps aussi répondre à la demande de ce que vous voulez en échange de ce que vous fabriquez. Voilà, après pour la demande de financement, on va dire, je mettrai un lien PayPal pour créer une cagnotte pour pouvoir développer ça en toute sérénité et encore une fois le faire sans stress, sans pression et sans devoir répondre à des exigences économiques d'investisseurs. Bien entendu, je sais que ça peut faire un petit peu peur de demander de l'argent, mais en demandant de l'argent, c'est de l'énergie que je demande pour pouvoir créer un nouveau monde. Voilà, j'espère que mon message est clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions. J'essaierai de répondre au mieux. Ma copine, on a également créé une page Instagram qui s'appelle Terre en Lumière. Ça s'écrit Terre tiré du bas en lumière, où on aimerait retranscrire cette transition planétaire, laisser une trace un petit peu dans l'histoire et aussi vous permettre de voir nos avancements et où on en est, ce qu'on fait et essayer d'être le plus transparent possible avec vous. Voilà. Dans l'attente de venir vous rencontrer et d'échanger avec vous, c'était un plaisir de vous parler. Voilà. À bientôt, je vous embrasse tous.